Le collectif des jeunes pour le développement CJD a organisé jeudi, à l'occasion de son 16e anniversaire, une conférence débat sous le thème 5 octobre 1990, 5 octobre 2023, Togo, de la nécessité de préserver la paix et la stabilité sociopolitique pour consolider la démocratie et promouvoir le développement socio-économique. Le Togo, notre cher pays, a besoin de stabilité pour atteindre l'objectif de développement intégral de nos populations. C'est pourquoi le CJD et ses partenaires ont initié ce 5 octobre 2023, dans la commune Aguenivé 1, une conférence débat sur le thème 5 octobre 1990, 5 octobre 2023, Togo, de la nécessité de préserver la paix et la stabilité socio-politique pour consolider la démocratie et promouvoir le développement socio-économique. Le 5 octobre 1990, des violences à l'égard des personnes ont été observées au Togo. Beaucoup s'en souviennent encore. Docteur Ekwe Gada, sociopolitologue, dans son débat exhorte tous les partis politiques à la réconciliation et à une union sacrée des peuples. Lorsque nous parlons du Togo comme pays de paix, on ne peut pas ne pas soulever cet accord. Il y a eu l'APG en 2006, mais vous savez ce qui s'est passé au Burkina. Comment il y a eu des divergences et comment le gouvernement Agboibor de 2008 n'a pas tenu la route. Et il a fallu l'accord entre le fils du premier président et le fils du second président pour que le pays commence par se stabiliser. C'est ce que nous avons appelé nous autres, la paix des braves. Pour le CJD, l'objectif au premier en organisant cette conférence débat est de sauvegarder les acquis et consolider la paix et la stabilité du Togo. Nous sommes résolument engagés au Togo dans le développement, donc nous sommes obligés également de travailler pour la paix afin d'éviter qu'un quelconque événement ne vienne ternir cet élan, ou bien cette lancée, avec en tête le président de la République qui ne cesse de ménager ses efforts pour que le Togolais lambda puisse mieux vivre.